Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver. En fait, je souhaitais faire ce tirage pour quelle raison on t'aime? Parce que parfois, quand on traverse une période difficile de deuil, de séparation, de drames qui peuvent vous arriver, parfois, on a besoin d'un petit remontant, on a besoin de savoir pourquoi on est là, on a besoin de savoir pour quelle raison on est là et qu'est-ce qu'on est venu manifester et quoi de mieux que de savoir ce que les raisons pour lesquelles on vous aime. Parce qu'on vous aime, sachez-le, que ce soit ici-bas, que ce soit au niveau de vos guides. Vous êtes accompagné quoi qu'il arrive, d'accord? Donc nous allons voir cela ensemble et je viens de constater que j'ai oublié de mettre le micro, donc je le mets, excusez-moi. Ouais, c'est... Voilà. Donc j'espère que la caméra va s'enclencher, on va voir, d'accord? Donc on va prendre trois cartes. Je vais prendre en fait les maîtres ascensionnés, d'accord? Pour faire le choix, ça fait longtemps que je ne les ai pas pris. Et c'est spirituel, c'est en 3D, c'est c'est tout ça. Pour quelle raison on t'aime, mes chères belles âmes? Une, deux, trois. Vous avez la carte Siddhata. Méditez. En choix numéro 2, le pouvoir de la joie. C'est Maitreya. En choix numéro 3, vous avez Thoth. Écrivez. Alors, pour pouvoir faire votre choix, après cette introduction, il va y avoir quelques secondes pour que vous puissiez voir les trois cartes et pouvoir vous décider. Alors, comme vous pouvez le voir, oui, je me suis coupé les cheveux, j'avais envie d'une nouvelle dynamique, j'avais envie de changer de tête, j'avais envie aussi de m'alléger, d'avoir une nouvelle énergie pour cet été. Voilà, dorénavant, vous me verrez comme cela, tout simplement. Et moi, je vous retrouve tout de suite après pour le choix numéro 1. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette première carte avec Siddhartha où il est indiqué méditer. Donc c'est Gautama, c'est Bouddha évidemment. Donc nous allons voir ensemble. Pour cela, nous allons prendre déjà trois tea leaves qui va du coup donner un petit peu votre énergie et voir si c'est quelque chose qui vous parle. Une, deux. Oh là, il y en a trop là. Bon. On va les prendre quand même. La raison pour laquelle vous avez choisi le numéro 1, c'est parce que vous êtes tout feu, tout flamme. Vous n'êtes pas forcément dans le détachement. Vous vivez les choses à fond, à 100 à l'heure. Vous vous enflammez immédiatement et c'est pour cela que vous avez le fire. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a le fire, quand on a le feu? Eh bien, ça ramène des envieux, des personnes qui vont vous critiquer parce que vous êtes dans le feu de l'action. Et il y a beaucoup de personnes qui soit vous critiquent en face, mais ce serait plutôt qu'ils vous critiquent par derrière avec des ragots, des choses comme ça. On va un petit peu vous jalouser. Il y a des gens qui vont vous envier, etc. Parce que vous avez cette capacité d'aller dans l'action que ben, la plupart des gens qui vous critiquent n'ont pas ça.
Et donc, il vous envie et c'est pour ça qu'il vous parle par derrière. Et c'est pour cela que on vous a déjà trahi avec le dagger, le poignard là, que vous avez là. On vous a trahi, on vous l'a fait à l'envers parce que les personnes ne sont pas assez courageuses pour vous dire ce qui se passe au fond d'eux, c'est-à-dire qu'ils sont envieux en fait de votre force d'action parce que vous avez une vraie force. Et donc on vous a trahi plus d'une fois. Et donc les personnes qui vous sont chères, comme les proches, votre compagne, compagnon, copain, copine, mari, femme, donc les gens vraiment très proches de vous en fait ont plutôt tendance à vous mettre dans une case parce que vous êtes tellement tellement puissant qu'ils ont besoin de cadrer qui vous êtes pour pouvoir mieux vous cerner parce que en fait vous êtes assez surprenant et vous êtes aussi une tête de mule donc parfois on vous met dans cette case de oui de toute façon à cette personne-là on peut pas lui faire entendre raison parce que c'est quelqu'un de têtu qui n'en fait qu'à sa tête etc etc donc si si jamais c'est quelque chose qui vous parle, cette énergie dont je viens de vous parler, alors à plus ou moins forte dose, hein, selon les personnes, rappelez-vous, c'est un tirage général. Eh bien, n'hésitez pas à continuer sur cette lignée ou alors à aller voir d'autres tirages si cela ne vous correspond pas. Pour quelles raisons on vous aime? C'est ça que je veux savoir. Non, bon, alors là, évidemment, il y en a beaucoup trop. Là, c'est too much. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors, déjà, on va les prendre. Ensuite, ok, on va prendre ces trois-là. Ok. Bah, en fait, il y en a quatre. Voilà. Ok, d'accord. Pour ce qui vous concerne, vous êtes tout feu, tout flamme, vous y allez, vous n'avez pas d'hésitation et parfois vous vous brûlez les ailes. Mais lorsqu'il s'agit de votre famille, lorsqu'il s'agit des personnes que vous aimez, vous êtes dévoué, vous avez une sagesse et vous êtes dévoué, vous êtes très équilibré parce que à ce moment-là, vous savez tempérer les choses et vous êtes le roi ou la reine pour pouvoir négocier si jamais, par exemple, je ne sais pas moi, il y a un ami ou une amie qui souhaite acheter un appartement, eh bien, vous êtes parfait pour pouvoir négocier, vous êtes vraiment dévoué à vos amis. Et c'est pour cela que l'on vous aime, parce que vous êtes quelqu'un de dévoué, vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un qui arrive à négocier, à tempérer les choses, les drames, etc. Peut-être que, d'ailleurs, le rôle de négociateur, le rôle de médiateur, le rôle de médiateur, c'est vraiment, ou de ressources humaines, c'est peut-être quelque chose qui peut être dans vos cordes, parce que vous avez ça dans l'âme. Alors, pas forcément vous concernant, mais en tout cas pour les amis, pour quelque chose ou pour vous, il n'y a pas d'enjeu. Vous pouvez avoir ce trait de caractère qui, du coup, résonne énormément chez vos amis. Et c'est pour cela aussi que l'on vous aime, parce que vous avez une forme de sagesse, d'équilibre à ce moment-là qui est juste imbattable. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est que dans la relation, et c'est pour cela que vous avez la domination, mais à l'envers, parfois, vous vous soumettez, parfois, vous n'avez pas assez de force de caractère dans, en tout cas, le lien à l'autre. Surtout au niveau amoureux, au niveau familial, ou vraiment des gens très proches de vous, vous vous laissez parfois dominer parce que vous vous dites que vous ne voulez pas prendre toute la place. Et ça, c'est en lien avec une blessure de vie antérieure où vous n'avez pu avoir votre place. Et donc, c'est quelque chose qui peut vous impacter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours, en fait, dans l'aspect relationnel que ça se joue. Mais du coup, c'est aussi quelque chose que l'on aime bien parce que chez vous. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, parfois confondent, hein, d'accord? Ils confondent le côté, entre guillemets, soumis
avec le côté dévoué, sacrificiel, etc., que vous n'êtes pas en réalité. Donc il y a ce petit aspect à travailler chez vous pour reprendre un petit peu plus votre pouvoir personnel, mais cela ne veut pas dire que vous allez écraser ou dominer les autres, parce que il y a cette croyance un petit peu que vous pouvez avoir. Par contre, lorsqu'il s'agit du travail et tout ça, vous y allez à fond, vous avez le feu intérieur, etc., etc. Là, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Et c'est vraiment au niveau personnel, au niveau familial, au niveau amoureux que du coup il y a cette petite blessure qui se met en marche, mais qui est très plaisant pour les autres, parce que du coup en fait vous n'écrasez pas les autres, et même parfois vous vous laissez faire, mais c'est aussi une forme de sagesse que vous pouvez avoir et qui est prise comme telle par l'autre et qui fait qu'on vous aime pour ça, parce que vous êtes dévoué, parce que vous avez les bons mots, parce que vous savez équilibrer les choses, c'est quelque chose de naturel. Vous avez vraiment une force au niveau du groupe qui fait qu'on vous aime pour cela, vous êtes une lumière pour cela. Et vous ne dérogez pas à vos principes. Pour vous, en fait, on vous voit comme quelqu'un de fiable. Vous n'êtes pas là à dire oui, je vais faire ça et puis ne pas le faire. Vous vous engagez, vous avez des principes. Et c'est quelque chose que l'on apprécie énormément parce qu'on peut, quoi qu'il arrive, compter sur vous. Si par exemple vous avez un pote, une potesse qui se fait larguer comme ça, et ben vous êtes là. La personne peut vous téléphoner à 3 h du matin, vous serez là. Vous aimez aider autrui, vous aimez communiquer, vous aimez communier, vous aimez être en relation avec, vous aimez aider, quoi, tout simplement. Et c'est pour cela que l'on vous aime. Et c'est pour cela que quand les personnes entrent dans votre cercle d'amis, c'est vraiment une aubaine pour ces gens-là, hein, parce que vous êtes vraiment là pour eux, hein. Vous avez toujours le bon mot, vous êtes dévoué en amour, en amitié. Mais n'oubliez pas que cela peut aussi vêtir parfois le vêtement du sacrifice, et que il est aussi important de vous imposer d'avoir vos principes, certes, mais ne pas vous oublier là-dedans. D'accord? Pourquoi on vous aime, mes chères belles âmes? Alors déjà, cette carte, je la prends. Ok. Pourquoi on vous aime? Qu'est-ce que les gens ressentent à vos côtés? Alors, j'ai plein de cartes. J'ai l'impression que on a envie de dire plein de choses parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a plein de choses, il y a plein de couches chez vous. Voilà, super. Okay, il y en a trois. Ok, alors. Il y a quelque chose dont peut-être vous ne vous rendez pas compte assez, mais que les gens pressentent, c'est que vous avez une grande sagesse qui vous vient en fait des baleines, du monde des baleines et de l'eau. Plus vous buvez de l'eau, plus vous êtes en conscience avec les informations de l'eau, et plus vous pouvez obtenir des informations qui viennent justement de ce monde-là, de ce monde sous-marin, et notamment du plus grand mammifère du monde, qui est représenté par la baleine. Il y a une sagesse en vous qui est non pas de l'ordre du mental, mais qui vient vraiment des profondeurs de l'océan. Et quelque part, les gens qui vous côtoient pressentent cela, même si c'est quelque chose d'inconscient. C'est pour cela que peut-être que vous vous dites, oh là là, j'ai plein d'amis qui ont des problèmes, etc. Mais c'est aussi parce que les gens pressentent que vous pouvez les aider rien qu'avec votre présence. Vous avez une présence guérisseuse. Et vous êtes, et ça aussi, vous n'en avez pas assez conscience, mais conscient, consciente, mais vous êtes l'enfant du cosmos. Vous êtes totalement en lien avec quelque chose qui est supérieur à vous et qui est en connexion directe avec votre soi supérieur. Et c'est pour cela, en fait, on pressent toute votre sagesse innée, parce que parfois vous pouvez avoir des mots qui résonnent profondément, qui ont un impact chez les autres, et vous avez une présence qui guérit et qui va au-delà du mental. Et c'est pour cela qu'on apprécie, on apprécie qui vous êtes. Mais encore une fois, et on insiste sur cela, il ne s'agit pas de vous sacrifier, d'accord? Et en fait, vous permettez aux autres d'activer le portail de la terre, c'est-à-dire l'incarnation, c'est-à-dire accepter qui
on est sur cette terre avec la dualité qui nous incombe et que c'est notre chemin. Et vous avez les mots nécessaires pour évoquer cette dualité et rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire aller vers la tempérance, mes chères belles âmes. Mais bon, Dieu sait que quand je dis César, ça parle pas trop de tempérance, mais justement, comme ça va mieux vous impacter. C'est très bien. Donc, vous voyez, vous avez vraiment quelque chose de guérisseur dans votre manière d'être, rien qu'avec votre présence ou avec certains mots que vous pouvez dire. Et en fait, on vous aime pour cela, parce que vous avez cette profondeur qui est en vous et qui est innée. C'est cela que les gens recherchent chez vous. C'est pour cela que vous avez beaucoup de gens qui veulent vous voir, qui aiment votre présence, parce que votre présence seule permet de guérir en fait le mal-être des uns et des autres. Alors un choix s'impose pour vous, hein, c'est est-ce que vous vous choisissez ou est-ce que vous choisissez l'autre? On parlait tout à l'heure du sens du sacrifice. Être dévoué ne veut pas dire se sacrifier, et c'est pour cela que vous avez le choix. Est-ce que vous vous condamnez en vous sacrifiant ou est-ce que vous souhaitez aller vers votre lumière? Et en fait, les vrais amis, ils veulent que vous alliez dans votre lumière. Les amis avec des bénéfices souhaitent que vous restiez là où vous êtes, c'est-à-dire ne pas aller vers votre lumière pour que vous puissiez la donner, pour qu'on puisse vous prendre votre lumière quelque part. Donc il y a un choix pour vous. Donc on vous dit conservez vos vrais amis, pas les amis qui sont là pour pouvoir se servir de vous, vous exploiter et être là toujours à soulever les personnes. Les vrais amis, en fait, sont là lorsque vous n'êtes pas bien et que, du coup, vous êtes accueillis dans votre douleur. C'est ça, vos amis. C'est pas toujours ceux que vous allez pêcher pour pouvoir les faire remonter à la surface au prix d'un dur labeur pour vous. D'accord? Alors, la raison pour laquelle vous avez parfois du mal à vous choisir, que vous avez du mal à être le premier rôle dans une histoire, c'est parce que vous avez peur du désert, vous avez peur d'être seul. Et ça, c'est plus ou moins conscientisé. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Prenez si ça résonne pour vous. Mais vous avez peur d'être seul. Vous avez peur d'être seul contre tous. Alors vous vous dévouez. Mais on vous dit que les vrais amis resteront avec vous, quoi qu'il advienne, parce qu'ils vous aiment pour ce que vous êtes. Et que on aura encore plus de respect pour vous si vous vous respectez. On aura plus de respect pour vous si vous vous choisissez en premier, parce que cela veut dire que vous n'êtes plus dans la complaisance, vous ne faites plus semblant, vous n'êtes plus dans de faux semblants, vous n'êtes pas en train de raccorder les morceaux, vous vous choisissez en votre âme et conscience, dans toutes les situations de votre vie, que ce soit personnelle, amicale, amoureux, familiale. C'est ça votre chemin. Et les personnes qui vont vous suivre là-dedans, ce sont vos vrais amis. Donc à partir du moment où vous serez prêt pour cela, vous verrez du coup quels sont vos vrais amis. Parce que dans toute relation, en fait, il y a parfois, dans certaines relations, et parfois très souvent dans les relations, des liens toxiques. Donc il est nécessaire pour vous de vous choisir afin d'écarter ceux qui n'en valent pas la peine. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'ils vous aiment, alors qu'en réalité, ils vous jalousent et qu'ils veulent vous voir tomber. Mais vous, vous serez plus fort que cela, parce que vous aurez appris dans la matière et vous irez dans le choix de vous choisir, parce que vous êtes la personne la plus importante, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire concernant cela. Pour quelles raisons on vous aime? Pour quelles raisons vous êtes aimés, mes chères belles âmes? Pour quelles raisons vous êtes aimés? On va prendre deux cartes
ça, il y en a trop. Bon, on va quand même les prendre, d'accord. C'est parce que vous savez traverser la douleur des uns et des autres et vous savez soutenir les personnes dans leur douleur et vous êtes assez précautionneux. Vous faites attention aux mots que vous employez. Vous faites attention à ne pas aller plus vite que la musique. Vous êtes vraiment en harmonie avec la personne pour ressentir et être dans l'empathie. Mais attention à ne pas vous sacrifier, c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Vous savez aussi gérer la tristesse des gens. Vous savez trouver les bons mots, avoir la bonne présence, la bonne énergie pour ne pas être intrusif, mais être présent et guérissant rien que en étant là. Et vous apportez également de l'énergie. Parce que quand vous avez en face de vous une personne qui a peur, qui vit une chose difficile, qui est triste, qui vit un deuil, eh bien vous apportez l'énergie nécessaire pour aider la personne à remonter la pente. Et on vous dit pour vous qu'il y a la nécessité d'être déterminé pour votre propre succès. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. La détermination. Soyez déterminé pour être qui vous êtes. C'est-à-dire que tout ce que vous envoyez aux autres, c'est quelque chose que vous avez en vous. Mais il est temps aussi de vous respecter. Et c'est comme cela que vous allez vraiment être aimé à votre juste valeur. Parce que la dévotion, ce n'est pas le sacrifice. D'accord, mes chères belles âmes ? Ça a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. Et moi, je vous retrouve pour un autre tirage. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager si vous le souhaitez. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. J'ai également un site où j'offre des consultations différentes selon vos propres besoins. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, s'il vous plaît, allez voir d'abord mon site que vous retrouverez en descriptif en dessous de la vidéo. J'offre également sur mon Patreon, qui est une autre plateforme, des enseignements spirituels afin que vous puissiez cheminer, parce que toute blessure est d'abord spirituelle. Et à un moment donné, ça traverse les corps énergétiques et ça vient jusqu'à la maladie, c'est-à-dire jusqu'à votre corps physique. Donc, si vous souhaitez en apprendre plus sur les enseignements spirituels, vous pouvez vous abonner sur mon Patreon. Il y a beaucoup de choses au niveau spirituel, etc. Je fais aussi des canalisations. Il y a aussi la possibilité de me faire un don si vous le souhaitez. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour, mes chères belles âmes du groupe 2. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi ceci, le pouvoir de la joie. Et nous allons voir ensemble pour quelles raisons vous êtes aimés. Alors, on va d'abord voir au niveau de l'énergie comment ça se passe et voir du coup si ça correspond à votre énergie. Nous allons prendre les tea leaves. Et nous allons nous laisser guider par les cartes qui vont tomber. Oups, alors du coup, voilà, il y en a pas mal. Mais on va les prendre quand même, hein, faisons confiance aux cartes. Alors, déjà vous avez de la force, vous êtes comme un lion. Donc beaucoup de générosité, vous êtes quelqu'un de solaire. Hein, et donc vous avez accès à la joie. Et d'ailleurs c'est en lien, en concordance directe. Donc voyez où est votre lion, où est votre maison dans le signe du lion, quelles sont les planètes que vous avez. Parce que ça peut être quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec la joie. Parce que le lion, en fait, il aime jouer, il aime être dans la joie, il aime rayonner, il aime les couleurs, il aime la flamboyance, d'accord? Et vous êtes aimé parce que vous savez ce que c'est que l'amour, vous savez donner de l'amour. Et d'ailleurs, c'est encore en lien avec le lion, parce que le lion, c'est aussi l'amour, c'est le cœur, donc c'est l'amour. Et oh là là, vous avez fire, vous avez le feu, et le lion, c'est aussi le feu. Alors, si vous n'êtes pas lion, franchement, je ne sais pas ce qui se passe. Oh, vous avez le goldfish. Ok, alors on me dit, donc de l'extérieur, vous êtes un lion flamboyant, généreux et tout ce que j'ai cité précédemment, mais à l'intérieur de vous,
Votre enfant intérieur, c'est comme un goldfish. C'est comme un petit poisson rouge qui va comme ça et qui est tout mignon en fait. Donc ça tranche avec l'aspect que vous donnez parce que vous avez quelque chose de très candide, de très, vous savez, les poissons rouges parfois ils ont des yeux comme ça, ils font des grands yeux comme ça et ils sont tellement petits qu'on a envie de les prendre et puis de les câliner parce qu'ils ont l'air tellement, comment dire, fragiles, petits, mignons et tout ça. Donc vous voyez, vous avez ces deux énergies-là. Ah bah tiens. Wealth. En fait, on vous voit comme quelqu'un de riche. Alors, quand je dis riche, ça peut être vraiment riche dans l'abondance de plein de choses. Vous êtes un feu gagnant, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes rayonnant, vous aimez le jaune, vous aimez la couleur dorée, peut-être que vous portez des accessoires, que vous aimez la couleur jaune, que vous aimez la couleur dorée, par exemple, dans ce que vous portez, vous voyez? Et donc, il y a aussi donc le côté un peu flower, donc un peu comme le poisson rouge, c'est-à-dire le côté un peu champêtre, un peu nature, un peu petite fille, petite fille dans la petite maison dans la prairie, où il y a ce côté un peu candide aussi qui émane de vous. Mais vous avez également une sagesse en vous. Qui n'apparaît peut-être pas au premier abord parce que on voit d'abord le côté flamboyant et parfois même show-off, mais vous avez beaucoup de sagesse en vous. Donc si tout cela vous parle, hein, parce que là je crois que vous avez quand même pas mal de choses, on va voir ensemble en fait pour quelles raisons on vous aime. Mais ça dépend déjà votre personnalité, ce que vous dégagez, la façon dont les gens qui ne vous connaissent pas peuvent vous voir et la façon aussi dont les gens peuvent vous voir, même ceux qui vous connaissent, d'accord? Mais cette sagesse, vous ne la donnez pas forcément à tous, d'accord? Donc c'est quelque chose de plus caché, c'est pour cela que ça arrive en dernier. Cette carte me parle. Ok, on va prendre celle-là. Donc. Alors attendez, excusez-moi, je vais voir un petit peu ce que ça veut dire ça parce que je ne comprends pas le mot. Mais c'est pas vrai, c'est. Ah! Encyclical. Oui, bah oui. En fait, vous voyez cette carte? Il y a quelque chose de très puissant dans cette carte. En fait, vous êtes un leader né et c'est ce qu'on aime chez vous. Et donc, vous allez pouvoir drainer des personnes qui n'arrivent pas à décider, qui n'arrivent pas à reprendre leur leadership, etc. Et vous pourriez même accompagner les gens avec le pouvoir de la joie, avec quelque chose de flamboyant pour vraiment drainer les énergies des uns et des autres, pour les amener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et on vous demande de répondre à cet appel parce que vous avez assez de force, vous avez assez de charisme pour cela, pour apporter des choses nouvelles, pour que vous puissiez devenir un grand leader. Et on attend cela de vous. Et c'est pour cela que les gens vous aiment, parce que vous ne laissez pas tomber les gens. Vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un d'honnête, vous avez de la sagesse en vous, vous avez de la profondeur. Malgré la première approche qui semble peut-être parfois un peu plus superficielle. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Oui, vous venez de la lignée de la rose, donc c'est en lien vraiment avec le cœur. En fait, vous avez le cœur sur la main et c'est cela que les gens aiment chez vous. C'est que vous ne comptez pas les efforts, vous ne comptez pas les heures pour pouvoir, par exemple, coacher quelqu'un qui a besoin de conseils, qui a besoin d'être remis à bloc et tout. Vous êtes fondamentalement là parce que vous avez une grande énergie, vous avez un grand charisme qui est en lien avec le cœur. Vous ne le faites pas pour le show-off, vous le faites parce que vous avez un grand cœur, que vous êtes comme ça, que. Et ça vous vient en fait de vos incarnations précédentes où vous avez beaucoup apporté. Et donc c'est quelque chose que vous avez aussi envie de donner dans la matière pour pouvoir aider vos congénères, vos amis, etc., etc. C'est ça qu'on aime chez vous. C'est ce formidable charisme que vous avez en vous qui est juste extraordinaire, dont vous ne vous rendez pas assez compte. Mais peut-être que les gens ne vous le disent pas assez, mais vous avez vraiment le cœur du lion, voyez? Je ne parle pas du fromage. Ah.
et on vous demande au travers de cette carte de vous honorer, d'apporter aussi cette belle énergie en vous, pour vous, et pas simplement pour les autres. Parce que parfois, vous donnez beaucoup, mais il s'agit aussi de ne pas s'oublier, de s'hydrater quand il fait chaud, de s'hydrater quand vous parlez trop, parce que voilà, vous essayez de coacher des gens, etc. Peut-être que vous avez un métier où vous devez parler énormément et vous êtes tellement dans le cœur que parfois vous oubliez les besoins de votre corps. Donc clarifiez cela. Clarifiez cela parce que sinon vous pouvez vraiment aller dans le burn-out. Alors oui, effectivement, vous êtes quelqu'un de très énergique, vous avez beaucoup d'énergie, de charisme, etc. Mais cette énergie que vous avez en vous, ne la dilapidez pas non plus. Gardez-en pour vous, c'est aussi important. Toute cette énergie et ces cadeaux que vous avez en vous, parce que ce sont des dons que vous avez, eh bien, il s'agit aussi de vous les offrir à vous, d'accord? Mais les gens aiment chez vous vraiment cette monstrueuse énergie que vous avez en vous. C'est comme si vous n'étiez jamais fatigué. Et pourtant, si les gens savaient, je dirais. Donc, ah oui, vous écroulez le soir, quoi, hein, c'est clair. Alors, soit vous vous écroulez, soit vous avez des insomnies parce que vous donnez trop et donc du coup, ça continue, ça tourne. La machine tourne et ça peut déséquilibrer et ça peut vous mener vers le burn-out. Donc, on vous dit quand même attention, d'accord? En fait, ce qui se passe avec Inner Earth, donc la terre, l'élémentaire, vous êtes comme un socle. Vous êtes comme un socle pour les personnes. Vous voyez, vous êtes vraiment très 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 important, importante pour les gens, hein, et beaucoup plus que vous ne le pensez, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu pudiques et qui vont pas vous le dire, ou qui pensent que vous le savez, donc ils vont pas vous le dire. Ou qui ont du mal à dire des choses très positives, donc ils vont pas vous le dire. C'est plus des étrangers qui vont manifester vraiment toute cette admiration. L'admiration que l'on vous porte n'est pas forcément très véhiculé, très montré en fait, d'accord? Mais sachez que vous êtes très admiré parce que vous représentez un socle. Vous ne laissez pas tomber les personnes qui vous sont chères. Et ça, vraiment, vous êtes aimé pour ça. Parce que vous savez, dans ce monde où il y a on est assailli d'informations, on est assailli de plein de choses et on oublie la moitié des choses que l'on doit faire et puis ensuite on se rend compte qu'on n'a pas forcément préservé sa parole, ses promesses, etc. Vous n'êtes pas de ce monde-là, vous êtes vraiment présent, vous êtes un socle pour les gens et vous permettez aux autres de grandir en vous permettez aux autres d'accéder à leur lumière parce que toute cette énergie que vous avez, en fait, elle guérit. Elle guérit parce que ça apporte de la lumière chez les autres. Vous craquelez l'armure des uns et des autres avec votre bonne énergie que vous avez en vous. Alors après ça, si on ne vous aime pas, on va voir ensemble justement l'oracle de la sagesse parce que j'aimerais bien avoir quelque chose en lien avec votre sagesse que vous avez, hein, qui est un peu cachée, que vous ne montrez pas à tout le monde et qui est peut-être encore cachée chez vous. Ça dépend aussi de votre thème astral, hein, donc comme c'est un tirage général, on va vraiment s'accorder avec les cartes l'oracle de la sagesse. Bon alors là, il y en a plein. Il y en a quatre, on a beaucoup de choses à dire. Voilà. On parlait de sagesse et regardez, vous avez un cœur loyal, vous aviez le signe du lion, vous aviez le love, vous aviez beaucoup de choses et on vous reparle de ça avec ces deux chouettes. Vous avez une énorme sagesse et qui se concentre dans le cœur. Tout vient chez vous par le cœur et ça, les gens le ressentent. Super. En fait, il y a votre petite fille intérieure ou votre
petit garçon intérieur, donc votre enfant intérieur, qui a laissé un message dans une bouteille. Et il attend désespérément la cigogne qu'elle puisse attraper cette bouteille qui a été lancée dans la mer, jetée dans la mer. Et donc cette carte est à l'envers parce que vous n'en avez pas conscience. C'est en lien avec votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur, il a un message pour vous. Il vous dit, ne t'oublie pas, ne nous oublie pas, parce que c'est bien de faire du bien aux autres, mais la charité commence par soi-même et n'oublie pas cela. Je te laisse ce message dans cette bouteille qui a été jetée à la mer et j'espère que tu vas le retrouver et que tu vas t'honorer d'abord parce qu'il s'agit de ne pas t'oublier. Et donc, on te dit, n'oublie pas de te reposer en lien avec le burn-out. Et on vous dit, tic-toc, tic-toc, n'allez pas faire une course contre la montre. Respectez votre rythme en lien avec le repos. Respectez votre rythme parce que ce n'est pas en faisant trop que vous allez être productif. Vous allez plutôt être contre-productif parce que vous gaspillez, vous spoilez votre énergie. Donc, il est temps de vous honorer et de penser également à vous. Prenez des vacances, jouez, soyez dans le pouvoir de la joie et pas simplement dans le sentiment d'obligation de ne pas faillir à vos paroles que vous donnez facilement et que vous honorez, mais il est temps aussi d'être sa propre priorité. C'était les messages pour vous. J'espère que cela a résonné, mais sachez que vous êtes admiré. Sachez qu'on vous aime. Sachez qu'on sait que vous avez beaucoup de profondeur. Sachez qu'on sait que vous avez beaucoup de charisme. Alors continuez, mes chers amis, mes petits lions. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai un site où je propose des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Donc, regardez d'abord mon site, s'il vous plaît, avant de prendre contact avec moi pour prendre rendez-vous. Ça fera gagner du temps pour tout le monde. Et puis, si vous souhaitez avoir des enseignements spirituels, j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon où vous aurez des vidéos concernant des enseignements spirituels. Donc, il y a de la théorie, mais il y a aussi des expériences, du vécu, de mon propre vécu, pour que cela puisse résonner en vous. Parce qu'en parlant de ma petite histoire, ça va résonner avec la grande histoire humaine. Car nous sommes tous reliés les uns aux autres, mes chères belles âmes. Donc, vous aurez tout cela en descriptif. Et puis oui, j'ai oublié de le dire, je ne l'ai pas dit pour le groupe 1, mais je fais des guidances privées jusqu'au 22 juillet. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi ce troisième choix qui est écrivez de Thoth. Donc nous allons voir ensemble un petit peu pour quelles raisons vous êtes aimés. Je suis ravie de voir cela avec vous. Mais avant cela, on va voir un petit peu par rapport à votre énergie, qui vous êtes afin de voir si votre énergie correspond avec ce troisième choix. Alors, attendez, on va prendre donc, comment ça s'appelle? C'est les tea leaves. On va voir ça au niveau de vos énergies. Ouh là là, il y a tellement de cartes. Attendez, attendez. Hop, hop. On va prendre ça et ça, mais ça, on ne va pas le prendre parce que là, ça fait too much. Très bien. Alors. Donc déjà, vous avez une capacité de mémorisation à parrot. Donc vous avez le perroquet qui est en lien avec la communication. Écrivez. Il y a quelque chose en vous où vous avez vraiment pas du mal, mais au contraire des facilités à écrire, à vous exprimer, à engranger des informations, à mémoriser, à vulgariser. Ça, c'est un trait que vous avez chez vous. Et en fait, vous vous laissez couler. C'est pas quelque chose. C'est vraiment quelque chose de naturel avec ce bateau-là. C'est vraiment le flow. C'est vraiment tranquillou, tranquillou. C'est quelque chose de très naturel. C'est un don que vous avez en vous. Et vous faites le pont
Ok, vous faites le pont entre le domaine de l'invisible et du visible. Donc, si ça parle d'expression, en fait, vous faites le pont. Vous savez vulgariser les propos, par exemple, des concepts très compliqués, vous savez les expliquer. Par exemple, vous savez résumer un livre très compliqué, philosophique et tout ce que vous voulez avec vos mots. Vous avez une capacité de faire le pont entre les gens qui n'ont pas cette capacité et puis vous. Vous savez vous mettre à la disposition, vous savez vous mettre à la même hauteur que les personnes qui vous entourent, hein. Donc, vous avez vraiment cette capacité-là. Ouais, on me dit aussi que vous avez un don pour résumer. En fait, vous avez l'hippocampe ici, d'accord? L'hippocampe, en fait, le mâle prend les œufs avec lui et c'est lui qui du coup délivre les bébés hippocampes de sa poche, hein, si je ne me trompe pas. Enfin, je ne sais plus si c'est de sa poche, en tout cas, il le délivre. Il a cette particularité. Donc, vous, en fait, vous savez donner naissance. Comment je pourrais dire ça? Ouais, vous savez accoucher. Comment on appelle ça? J'ai plus le mot, j'ai le mot qui s'échappe pas. Vous êtes un accoucheur. Vous êtes un accoucheur. Un exemple, s'il y a une personne qui a beaucoup de choses à dire mais qui n'arrive pas à ordonner ses mots, à clarifier ses propos, vous savez le faire. Parce que il y a quelque chose chez vous qui est tellement naturel. Vous savez vous relier à l'émotion de l'autre pour pouvoir capter son énergie et pouvoir du coup vulgariser les propos et être compris par toutes et tous. Et vous êtes guidé par vos ancêtres parce que dans votre lignée, il y avait des personnes qui avaient cette capacité et qui vous ont offert ce don. C'est pour cela que votre âme, entre autres, a choisi de s'établir dans cette famille en particulier, que vous en soyez conscient ou non, et on vous a livré, on vous a donné ces dons-là, hein. Vous avez une énorme sagesse, vous avez une énorme mémoire, vous savez régurgiter tous les savoirs, vous avez cette facilité-là pour communiquer, hein. Alors. Alors, ce qui est rigolo avec octobre, on m'envoie ce message que il y a en fait quelque chose, c'est pas dissonant le mot, mais c'est comme s'il y avait une rupture entre toute votre intelligence et ce que vous montrez au monde physiquement, de par votre énergie, de comment vous vous présentez. C'est-à-dire que vous êtes très humble. Donc parfois on vous voit comme en octobre avec les feuilles mortes. Vous voyez, c'est très beau avoir les feuilles mortes, mais c'est pas le côté flamboyant et je montre qui je suis et tous mes dons. Non, pas du tout, pas du tout. On vous dit que vous montrez au monde quelque chose de pas très visible. Vous savez, quand les feuilles mortes s'entassent, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Eh ben, vous, c'est un petit peu la même histoire. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien, on continue ensemble, mes chères belles âmes. Alors, on va voir ensemble pour quelles raisons vous êtes aimés. Vous êtes aimés parce que vous savez donner de votre personne. Vous êtes la charité même. Parce que vous êtes tellement en pâte, vous avez tellement à donner, vous le savez. Que du coup, ça ne vous dérange presque pas de donner autant aux autres. Vous êtes là en fait pour faire le pont, hein, rappelez-vous, hein. On va voir ensemble pour quelles raisons vous êtes aimés. On va prendre cela, on va prendre comment ça s'appelle, le prisme oracle. On va prendre une carte. Et vous voyez, on vous dit, hein, il y a une distorsion. Hein. Il y a une distorsion chez vous, hein, entre ce que vous donnez à voir et ce que vous recelez comme secret. Et en fait, c'est ça qu'on admire chez vous. C'est que vous pétez pas plus haut que la culotte. Je sais pas pourquoi je dis ça. Vous pétez pas plus haut que la culotte, ça veut rien dire, mais bon. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas show-off.
Vous avez un grand cœur, vous n'êtes pas show-off, vous ne le montrez pas. Vous avez une humilité. Donc il y a une forme de rupture entre tous vos savoirs, vos connaissances, tout ce que vous avez engrangé et ce que vous donnez à vous montrer au monde. Et les gens voient ça comme une extrême humilité chez vous et c'est pour cela que vous êtes d'autant plus aimé. Mais vous avez un choix. Ce dont vous n'avez peut-être pas conscience, ça dépend de là où vous en êtes sur votre cheminement, mais il y a un choix qui s'impose, c'est que si vous souhaitez être vu pour qui vous êtes, vous avez besoin aussi de vous montrer, et que donc il y a un travail pour vous pour oser dire qui vous êtes, oser nommer votre intelligence, oser vous montrer au monde et montrer tous vos trésors. C'est un choix cornélien qui va peut-être s'activer pour vous. Et vraiment, les gens, en fait, qui vous aiment profondément, ils ne souhaitent que ça. C'est que vous apparaissiez publiquement, que vous osiez être qui vous êtes avec toute votre sagesse, parce qu'il y a très, très, très clairement, comment dire, c'est comme si vous aviez un sas entre ce que vous montrez au monde et qui vous êtes profondément. Alors, il s'agit d'ouvrir le rideau, ce sas, qui ne permet pas aux autres de vous voir tel que vous êtes. Vous avez tellement de choses à apporter au monde. Et ça, vous pouvez l'apporter via les arts. Vous avez vraiment un tempérament artistique. Vous aimez le côté esthétique. Et pour autant, ce n'est pas quelque chose que vous travaillez profondément sur vous. La beauté, en fait, pour qu'elle émane de l'intérieur, il y a aussi comment dire, pour que ce soit cohérent, il y a aussi la nécessité de montrer cette beauté qui émane de vous à l'intérieur, à l'extérieur. Et ce n'est pas quelque chose en lien avec une forme de coquetterie, too much, pas du tout. C'est pas parce que vous allez mettre une bague, c'est pas parce que vous allez mettre un accessoire que vous allez être show-off, parce que c'est quelque chose que vous détestez, bien entendu. Mais il s'agit aussi de vous honorer au travers du côté esthétique, du côté artistique. Et ça va vous rendre hommage, et ça va rendre également hommage à ceux qui vous aiment, parce qu'ils ne veulent qu'une chose de vous, c'est que vous puissiez enfin briller à la juste hauteur de votre talent, parce que vous le méritez. On va voir ensemble les starseeds de ce qu'ils ont à nous dire hein, par rapport à ça. Vous êtes très relié aux émotions. Hein. Vous êtes en pâte, hein, et donc c'est Mintaka, hein, c'est la mémoire de l'eau. Oui, demandez à l'eau de vous aider pour aller vers cette sérénité, d'accueillir votre douceur, d'accueillir cette beauté que vous avez en vous et que parfois vous cachez ou que vous jugez mal parce que vous avez un manque d'estime de vous-même alors que vous êtes tellement doué. On va voir les archétypes. On va voir les archétypes pour voir un petit peu le chemin pour vous parce que vous êtes tellement apprécié pour vos dons, pour vos talents. Cette chance innée pour les uns et les autres que d'avoir cette capacité de mettre en mots ce que les gens n'arrivent pas à dire. C'est un don incroyable que vous avez. Hein. Oui, vous ne voulez pas. Ouais. Vous ne voulez pas vous montrer visible parce qu'il y a une grande blessure en vous, parce que vous avez été attaqué pour les dons que vous aviez. Et ça, c'est peut-être une blessure cachée chez vous. Et c'est pour cela qu'elle apparaît à l'envers. Vous avez bully. Donc on vous a attaqué, peut-être quand vous étiez enfant, sur vos différences. Peut-être que vous avez quelque chose de physique, vous avez un handicap, ou quelque chose de différent. Une couleur de peau ou je sais pas, ou le fait que vous veniez d'ailleurs ou qu'importe. Mais c'est cette différence-là qui rend hommage à toute votre sensibilité, vous comprenez? Donc vraiment, s'il y a peut-être un travail à faire chez vous, c'est cette blessure d'humiliation que vous avez subie et qui fait que parfois vous éteignez vous-même votre flamme.
Et c'est pour cela qu'il y a une distorsion entre ce que vous laissez montrer au monde, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être vu par certaines personnes comme quelqu'un de fade ou d'un peu effacé ou d'un peu discret et tout ça, alors qu'à l'intérieur de vous, vous avez tellement de dons incroyables et on vous aime pour cela. Et on a envie que vous alliez dans votre lumière. Et vous êtes tellement aimé, vous êtes tellement apprécié dans vos dons, dans les mots que vous dites ou que vous écrivez, ou les dons que vous avez au niveau artistique. On vous demande vraiment de vous honorer et de travailler sur cette blessure d'humiliation que vous avez subie. Vous avez tellement de lumière en vous lorsque vous aidez, mais soyez aussi votre propre lumière, parce que ça passe d'abord par vous, n'oubliez pas, d'accord? Ça a été vraiment un plaisir de faire cette guidance pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre j'offre des consultations thérapeutiques selon vos besoins. Donc n'hésitez pas à aller voir d'abord mon site avant de prendre rendez-vous avec moi, parce que ça fait gagner du temps pour tout le monde. Et puis j'ai repris aussi les guidances privées de façon temporaire jusqu'au 22 juillet. Et j'ai également une autre plateforme qui s'appelle Patreon. Vous aurez les coordonnées ci-dessous en descriptif et qui est en lien avec des enseignements spirituels si vous avez envie de cheminer là-dedans. Et ces enseignements spirituels, ce n'est pas que de la théorie parce que je mets aussi en exergue ma vie, mon parcours pour vous montrer en fait comment transmuter les énergies et que cela puisse résonner en vous parce que ma petite histoire peut aussi résonner avec la vôtre et créer cette grande histoire qui est l'histoire humaine, avec ses souffrances pour pouvoir apprendre ici-bas et pouvoir évoluer dans ce cheminement spirituel et aller tous dans notre lumière, mes chères belles âmes. Ça a été un plaisir de faire cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes.